Regarder une vidéo sur votre smartphone grâce à la 4G, rien de plus banal aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette information ? Pour connaître la réponse, il faut plonger sous les plus grandes autoroutes au monde, nos océans. Ici, on trouve des milliers de kilomètres de câbles. C'est ce qu'on appelle la fibre optique. 20 000 communications simultanées peuvent passer sous une fibre. Donc c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement rapide. Concrètement, lorsque vous regardez une vidéo depuis un site américain par exemple, votre smartphone envoie un signal vers une antenne. Cette antenne est reliée à la fibre optique. Elle va alors traverser l'océan Atlantique pour arriver jusqu'au serveur du fournisseur de contenu. Et des câbles, nos océans renferment des centaines. Voici le monde couvert de fibres optiques. 1 200 000 km connectant la Belgique au reste du monde. Et certaines entreprises comme Google ont même les leurs. Ça représente des montagnes d'informations. Aujourd'hui, Google est le premier site mondial, d'accord ? Par défaut, quand les gens se connectent, ils vont d'abord chercher sur Google. Donc Google contrôle une très très grande quantité d'informations sur Internet. Et Google a intérêt à ce que les gens utilisent Internet de manière générale. Donc Google va chercher à déployer un réseau aussi large que possible. Et Google n'est pas seul à investir, Facebook, Microsoft ou même Proximus, tous veulent leur propre câble. Aujourd'hui, 95% des données Internet circulent par les fonds marins. L'enjeu est donc énorme. En maîtrisant le câble, ils maîtrisent donc l'information qui parvient aux utilisateurs, ils maîtrisent l'information qu'ils peuvent capter chez les utilisateurs, la plupart d'entre nous ne font pas très très attention à leurs données personnelles, alors qu'il y a des moyens simples de faire attention. Et donc, oui, ils maîtrisent l'économie du monde par ces moyens-là. Google, comme d'autres entreprises de télécommunications, ne compte pas s'arrêter là. La conquête des océans est donc lancée.